Les six enfants, Aurore, Bilal, Cyril, Dana, Emma et Fred, ont tous des âges différents entre 8 et 13 ans. Fred a 2 ans de plus que Dana. Bilal a 1 an de moins que Emma et 1 an de plus que Fred. Cyril est le plus jeune. Question, quel est l'âge d'Aurore? D'abord, nous représentons les six personnes par des lettres majuscules et leur âge par les lettres minuscules correspondantes. De ce texte, nous tirons ces informations-là. Fred a 2 ans de plus que Dana, ça signifie que F est égal à D plus 2. Bilal a 1 an de moins que Emma, donc B est égal à E moins 1, et en même temps, Bilal a 1 an de plus que Fred, donc B est égal à F plus 1. Mais comme F est égal à D plus 2, ça signifie que B est égal à D plus 3. On nous dit que Cyril est le plus jeune, par conséquent C est égal à 8. Ce qui est demandé, c'est A. Maintenant, nous rédigeons ce tableau-là avec les six âges possibles et nous savons déjà que C est égal à 8. Ici, nous lisons que B est égal à E moins 1 et en même temps, B est égal à D plus 3. Ça signifie que le B doit être égal à 12 parce que B est égal à E moins 1, donc E est égal à 13. Et en même temps, B est égal à D plus 1, 2, 3. Donc, D est égal à 9 et E est égal à 13. Ici, nous voyons que F est égal à D plus 2. Donc, F doit être égal à 11. D plus 1, 2. F vaut 11 et par conséquent, le A doit être égal à 10. C'est donc B la bonne réponse. Nous répondrons à la question suivante lors du tutoriel suivant.